Et bonjour à tous, du coup on se retrouve pour la partie 2 de la démo de Prince of Persia sur PlayStation 5. Tiens. Donc on va aller chercher l'ascenseur qu'on a débloqué un tout petit peu plus tôt. Et puis on repartira à la citadelle. Je sais pas trop où on va, hein. Je vous avoue que là... Et là-bas c'est fermé. Et on retourne par là, ok. Haute citadelle ouest. Ok. Ah, et là je pourrais potentiellement monter un tout petit peu plus tard, je pense. Ok, donc ça sera... Ah, au moins que je puisse... Non, ok. Quoique. Ah. Je sais pas trop où on va là-bas. Ok, les ennemis sont rapides là pour le coup. Merde. La vache, tu fais mal toi. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Ok, apparemment il y a une jauge de fureur en bas. Je peux faire plein de trucs en vrai, hein. Ça a l'air cool. Là on peut s'attacher à ça, c'est ça? Ok. Je sais juste pas par où on va en fait. Ah, je sais pas du tout où je vais. Hop, évidemment. Oula. Vous avez un coffre. Super. Un coffre avec quoi dedans? Objectif de valeur, métal rare d'une teinte claire et bleutée utilisé comme matériau d'amélioration, technique ancestrale qui se pratique encore dans certaines forges. D'accord. Ouh, je me suis pris le truc. Plein de poids. Oh mais non. Game over. Ok, super. Et on revient ici, d'accord, pourquoi pas. Je pense que de toute façon on a fait tout le truc, donc on va aller par là. Je pense que lui va me poser problème aussi. Ouf. Oula. Attends, je voulais prendre juste une potion. Là, j'ai pas pu. Je pense que ça, ça va être problématique. Hein. Là, on part sur un Dark Souls, quoi, le truc. J'arrive même pas à esquiver quoi. Ouf. Ok, je pense que quand ils sont dans le rouge, à mon avis, il faut esquiver. Donc c'est la flèche du haut du coup pour se soigner. Ok, là c'est fermé. C'est fermé aussi. Qu'est-ce qu'on a par ici? Aïe. Ça, ça devient compliqué, mais en tout cas, ça a l'air vachement intéressant.
Ah mais bravo, mais on voit pas grand chose en plus. Ok, il y a plein de pièges là-dedans. J'ai plus de potions. Hein. Forêt hyrcanienne. Ok. Ok, ouais, je voulais voir si on pouvait descendre tranquillement. Parce que c'est vachement varié en termes de décor, donc c'est cool. Je pense que plus on va améliorer le personnage, plus il y a des ennemis qui seront un peu plus simple à battre. Voilà, hop, on a un petit cristal. Utiliser d'attaque chargée, maintenir carré pour briser la porte. D'accord. Bon ben voilà, en plus on a un arbre. On va voir un petit peu combien de... ce qu'on peut mettre. On a 537 machins. Alors, en éclair, on peut faire une vague de Yaoum. Vaillou. Ok, je peux faire quoi du coup? Augmente modérément les dégâts des attaques de mêlée réalisées dans les airs, non? Déclencher une zone de dégâts de... ouais, non, mais ça va. En fait, ce truc... pas trop compris comment on pouvait débloquer ça. Donc pour l'instant je peux rien améliorer, je comprends pas du tout comment on fait. Ok, avec les flèches par contre ça marche super bien aussi. Alors je peux descendre par ici ou je peux aller par là. D'accord, ça me fait une... qu'est-ce que c'est que cette merde? Je pense qu'il y a un truc intéressant. S'il me fait venir par là. C'est qu'il y a un truc sympa. Effectivement, il y a un truc sympa. J'ai potentiellement loupé un cristal, mais hein, c'est pas grave. Tiens, on va se recharger. Hop. Hop. Ok, bon, ils sont sympas, ils nous donnent des flèches, donc c'est cool. Hop. Ok. Bon, jusque-là, rien de compliqué, du coup. Et on retourne à la base de la citadelle. Ok. Bon, je pense qu'à mon avis, ça peut... on peut améliorer ça comme ça. Permet de réaliser une cinquième attaque à la fin d'un enchaînement. Pas en blanc. Tire 5 flèches dans un angle large. Oui, tempête du chakram.
Nous promis, convertit une petite partie des dégâts encaissés en progression sur la jauge d'Atra. Ok, là je peux mettre du coup jusqu'à 4 amulettes. Bon, c'est intéressant. Ça par contre je sais pas du tout, il n'y a pas de... Vous dites pas en fait comment améliorer ça. Je sais pas du tout comment on fait ce genre de truc. Bon, je pense que ça nous sert de checkpoint et potentiellement de sauvegarde automatique. Alors, plus haut, Janda réside pour l'éternité. Corps de lion, visage humain, ok. Bon. Je pense qu'on pourra se lire ça quand je me prendrai le jeu complet. Ok. Ça sent le boss. Misérable mortel. Attention, on en parlait dans la note justement de Jander. Oh, on dirait un boss de God Eater, dis donc. Ta vie s'arrête ici. Ah bah c'est la fin, d'accord, ok. Bon, et bah écoutez, c'était vraiment sympa cette petite démo. Je pensais pas que ça serait fini en moins de 12 minutes du coup pour la suite. Mais ok, c'est pas grave. En tout cas, ben, mon ressenti, ça a l'air vraiment pas mal. Ça me donne envie d'en savoir plus. Donc je vais l'ajouter du coup à ma wishlist. On se fera peut-être un de ces quatre le jeu. Mais en tout cas, ça me donne bien envie. Et on se retrouvera pour d'autres démos découvertes. Il y en a pas mal en ce moment sur PS5. Pas mal de petits RPG, etc. Donc on pourra faire ça rapidement. Je vous laisse ici, les amis. On se dit à la prochaine. Bye bye.